Présente-toi. Voilà, hein. Oh, tu sais pas ça, tu touche, touche. Voilà, c'est bien. Le mystère de l'exaucement accompli. Tu vas incliner légèrement la tête. Dans le sens, tu vas demander au Seigneur de te pardonner ce matin. Que le Seigneur efface ma personne et que le Seigneur te parle ce matin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Tu bénis Seigneur chaque vie. Tu bénis Seigneur chaque personne. Tu nous assistes Seigneur par ton esprit. Seigneur, tu manifestes ta gloire, tu manifestes ton règne, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta grandeur par l'éternel de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 16, verset 24. Job chapitre 16, verset 24. Jésus disait sur ses disciples, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Le Seigneur veut que tu aies une joie parfaite, que tu sois heureux, que tu sois béni. Quelqu'un qui est béni de Dieu, qu'il soit sur le plan spirituel ou sur le plan physique, matériel, il est heureux, il est content, il est en joie, en frère. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Homme frère, tu vas me dire, mais tu as demandé. Mais je vais te dire ce matin, que tu as, c'est vrai que tu demandes. Mais peut-être que tu ne demandes pas parfaitement. Peut-être que tu as demandé, mais tu n'as pas encore bien demandé. Peut-être que tu as demandé, mais peut-être que tu n'as pas encore été exaucé. Je vais te montrer ce matin, comment on fait pour être exaucé. Faut dire amen. Amen. Je vais te montrer un truc simple, facile à faire. Parce qu'en général, l'homme-même n'aime pas ce qui est compliqué. C'est vrai, non? Amen. Donc, je vais vous montrer ce qui est facile à faire. Amen. Amen. Il y a beaucoup de critères pour être exaucé. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais te montrer un critère pour être aussi exaucé. Amen. Amen. Voilà. Si tu as compris ça, tu es heureux. Parfait. Tu es heureux, ma soeur, ce matin. Parce que ce n'est pas normal que ce soit toujours toi qui sois à la traîne. Toujours nous sommes à la traîne. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le Seigneur, ça ne glorifie pas Dieu. Mon frère, il y a des choses qu'on doit faire. Et puis on n'arrive pas à faire. Et puis le monde fait à notre place. C'est à notre honte. Mon frère, ce n'est pas bien. Il y a des choses que nous pouvons faire dans nos quartiers, dans nos cités, dans nos communes, dans nos familles. Mais mon frère, on n'arrive pas à le faire. Ou que tu n'arrives pas à le faire, ou que je n'arrive pas à le faire. Et puis Dieu n'est pas honoré. Parce que cela demande des moyens financiers. Il faut avoir l'argent sinon pour faire certains trucs. Mon frère, et ce n'est pas bon de ne pas pouvoir le faire. Parce que souvent il faut le faire. Et quand tu n'arrives pas à faire quelque chose que tu dois normalement faire, ça fait honte. Ce n'est pas bon. Ça ne t'honore pas. Ça peut être que ça n'honore pas ta famille, tes parents, ou tes amis, ou ton village. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, il y a des choses que nous devons pouvoir faire. Nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu, c'est vrai. Nous, on a Dieu et on marche avec le Seigneur. Amen. On marche avec le Dieu puissant et redoutable. Amen. Celui-là même qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Celui-là qui a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Celui-là à qui appartient l'homme et l'argent du des Écritures. La Bible dit que la terre, le ciel et la terre, et tout ce qu'elle en fait, tout son contenu appartient à Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu, à qui appartient toutes ses gloires, toutes ses richesses, malgré toutes ces choses-là, nous qui sommes ses suiveurs par Jésus-Christ, nous qui sommes ses disciples par Jésus-Christ, nous sommes toujours à la terre, dans la médiocrité, dans la pauvreté, dans l'échec. C'est toujours nous, on nous montre du doigt, on nous empêche qu'on parle, qu'on passe. C'est toujours nous, on échoue dans tout ce qu'on fait. Les païens passent beaucoup, le chasse beaucoup. Nous on va et puis nous on échoue. Quand on fait quoi? Et puis on dit non, c'est business, c'est relation. Est-ce que le païen a plus de relation que le chrétien? Non. Nous on a pour relation Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous on a pour relation même les anges que Dieu met à notre disposition pour nous servir et intervenir dans nos affaires. Parce que c'est de cette manière que Dieu interfère dans les affaires des humains. Mais comment se fait-il que dans les concours,
et dans beaucoup d'autres choses. Les païens réussissent. Et puis nous, qui prétendons dire que nous avons l'Esprit de Dieu, et bien sûr que nous avons l'Esprit de Dieu, nous échouons. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que cette chose-là quitte ta vie pour faire place. Pour faire place au succès. Pour faire place à la réussite. Tu travailles avec un païen, dans une même entreprise, dans une même société. Lui, il a des avancements. Mais toi, tu n'avances jamais. Depuis que tu es dans la société, là, ton salaire, c'est le même. En fait, ça ne bouge pas, ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, il y a un souci. Quand on dit à quelque chose de la famille, tu ne peux pas mettre ta main dans la poche parce que tu n'as jamais rien. En fait, ce n'est pas à notre faveur, ce n'est pas à notre honneur. Ça ne nous glorifie pas, ça ne nous donne pas le Seigneur. Voilà pourquoi toi et moi, on va s'élever et puis se révolter pour dire non, ça suffit maintenant. Voilà pourquoi, vous savez, l'apôtre Paul a dit ceci: réjouissez-vous en espérance. Amen. Se réjouir en espérance, c'est mon espérance. Je ne suis pas sûr qu'il va s'accomplir. Comment je vais me réjouir si je n'arrive pas à espérer que ce que je peux avoir arriver? Mais je te dis que si tu espères, ça va arriver. Parce qu'à partir de ce matin, ton espérance là, tu vas rendre ça visible. Tu vas rendre ça physique. Tu vas rendre ça papa. Tu vas faire sorte que ce que tu espères, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu recherches là, soit visible. Faut dire amen. Parce que en général, l'homme à 99% croit à ce qu'il voit et ne croit pas à ce qu'il ne voit pas. L'homme croit à ce qu'il voit. Et Jésus dit à Paul, et du moins à Thomas, viens, touche mes mains. Mets la main dans mon côté, regarde mes pieds. C'est bien moi qui ai été crucifié, qui suis revenu à la vie. Et puis s'adresse à tous les autres disciples, y compris Thomas. Il dit ceci: heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. Alléluia. Ils sont bénis ceux qui n'ont pas vu, mais ont cru sa résurrection. Mais homme frère, donc dans la nature de l'homme, il y a la nature de l'homme de foi avant de croire. Alléluia. Mais Dieu, par son esprit et par sa parole et par Jésus-Christ, va t'amener à voir pour comprendre. Voilà pourquoi ceux qui ont les yeux de l'esprit peuvent voir. Amen. Celui qui a les yeux de l'esprit peut voir ce qu'il est, son espérance. Peut voir son espérance. Et quand il voit son espérance en esprit, il s'attend à coup sûr que cela va s'accomplir. Voilà pourquoi je crois que la toute dimanche, je l'ai dit dans tous les dimanches passés, que ton imagination là, c'est toi seul qui vois, n'est-ce pas? Ce que tu imagines là, c'est toi seul qui vois ça. Moi, je ne peux pas voir ce que tu imagines. Toi, tu imagines peut-être un avion, tu imagines un immeuble, tu imagines, je sais pas, un voyage, tu imagines être chef d'entreprise. Tu imagines que tu vas construire, tu vas bâtir une cité. C'est dans ton imagination. L'image là, c'est en toi. Ce n'est pas en moi, je ne peux pas voir ça. Personne d'autre ne peut voir ce que toi tu imagines là, si ce n'est que toi seul. Mais comment tu vois l'image? Comment tu vois ton imagination? Tu vois ton imagination par tes pensées internes, par ton âme, par les yeux de ton âme. C'est par là que tu vois tout ce que tu imagines. Alléluia. Et Jésus dit: n'ont pas vu et ont cru. Amen. Amen. Maintenant, Jésus va nous amener à voir ce qu'on n'a pas vu pour qu'on puisse croire. Amen. Parce que pour que je puisse croire, pour que toi et moi nous puissions croire, il faut qu'on nous fasse voir ce qu'on n'a pas vu pour que notre foi soit une foi fondée. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Ton espérance, ton lendemain, ta bénédiction, le fait que tu sois heureux demain, viendra de Christ, de la parole de Christ. Hommes, frères, cessons de nous maintenir dans cette situation de médiocrité, de pauvreté. Cessons de nous maintenir dans cette situation de galère, de mendicité, jour et nuit. Cessons de tendre la main, et si nous devons tendre la main, c'est pour donner et pas pour recevoir tous les jours. Amen. Oh frère, si tu reçois de la main de celui qui est plus grand que toi, je ne parle pas de l'âge, mais peut-être par ce qu'il possède. Alors toi aussi, quand tu as reçu, donne aussi à celui qui est plus grand que lui. Amen. Oh frère, tu vas dans le processus des donneurs. Amen. Et non pas dans le processus des receveurs. Amen. Il faut apprendre à donner qu'à recevoir. Amen. Nous avons vu qu'il y a plus de bénédictions
dans les rangs de ceux qui donnent, alors la bénédiction s'attachera à toi. Mais si tu rentres dans les rangs de ceux qui aiment recevoir, est-ce que tu vas être béni? Non, il y a plusieurs rangs de ceux qui donnent. Amen. Il y a les gens qui donnent et qui ne reçoivent, jamais. Amen. Parce qu'ils sont supérieurs à tous. On ne peut donner qu'à plus petit que soi. Dis amen. Amen. On ne peut donner qu'à plus petit que soi. Maintenant, qui va s'élever pour aller dire qu'il va donner l'argent à Ouattara? Le numéro 1 du pays. Avant que tu commences comme avant Bondi, qui s'élevait pour aller donner 1 million en faux Bondi. Mais en retour, il y a eu des dizaines de millions. Dis amen. Amen. Mais c'est ça. Oh mon frère, ce que je veux te dire ce matin, il y a plusieurs rangs de donateurs. Il y a des gens qui donnent et qui ne peuvent pas recevoir parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des supérieurs à l'hypocrite. Dis amen. Amen. Mais néanmoins, après cela, il y a plusieurs autres rangs. Il y a d'autres qui reçoivent. C'est vrai, je suis de plus grand que eux. Mais il faut tout se mettre dans le rang de ceux qui donnent, parce qu'eux aussi apprennent à donner. Amen. Si tu sais donner, amen, tu seras béni. Amen. L'on ne peut donner que ce qu'il possède. Amen. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et si ce que tu as, c'est 5 francs, c'est 5 francs, tu peux donner. Si c'est 1000 francs, c'est 1000 francs, tu peux donner. Si c'est 1 million, c'est 1 million, tu peux donner. Si c'est 1 milliard, c'est 1 milliard, tu peux donner. Donc, on n'attend pas de devenir riche pour donner. On n'attend pas d'avoir les moyens pour donner. On n'attend pas de se suffire pour donner. On n'attend pas de prospérer pour donner. Non, on donne avec ce qu'on a. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans la parabole, si tu es fidèle en peu de choses, on te confiera les grandes choses. Amen. Mais si tu n'es pas fidèle en ces petites choses, tu te confieras les grandes. Tu as même 1000 francs, tu n'arrives pas à donner. Qui va te donner 2000? 1000 francs, tu n'arrives pas à donner. C'est pas 2000 francs, tu pourras donner. Amen. Ah, mon frère, il y a des gens qui disent, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. J'attends que tu sois riche. Mais en général, ces gens qui parlent pour ça ne le font pas. Amen. En général, ne le font pas. C'est des stratèges. Mais ta stratégie peut marcher comme un homme, une femme, comme quelqu'un, mais ça ne marche pas contre le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît les pensées des humains. Il sort les cœurs et les reins. Il sait ce qui est en toi, il sait ce qui n'est pas en toi. Il y a des gens qui ont dit ça avant toi, ils n'ont rien fait. Et il y a des gens qui n'ont pas dit et puis qui ont fait. Alléluia. Donc il ne s'agit pas de dire ou de ne pas dire. Mais il s'agit de rentrer dans le processus de ceux qui peuvent donner et de ceux qui savent donner. Amen. Il y a des gens qui sont à part. Il y a des ethnies qui sont à part. Amen. Il y a des familles qui sont à part. Amen. Il y a des nations qui sont à part. Amen. Il y a des personnes qui sont à part. Si tu es d'une ethnie où les gens sont à part, il faut sortir de là. Tu ne seras pas béni. Amen. Mmh. Amen. Mmh. Si tu es dans une famille où les gens n'aiment pas donner, ils n'aiment pas partager, faut faire attention. Parce que la pauvreté va s'attacher à toi, ce n'est pas bon. Amen. En général, les gens prennent les gens, ceux qui donnent là pour des pertes. Les gens croient que ceux qui aiment donner là, ils ne sont pas intelligents, ils ne savent pas faire des économies, ils n'ont pas de projet, ils ne sont pas ambitieux, ils veulent se montrer. C'est faux. C'est un cœur. Si tu n'as pas un cœur de celui qui fait de donneur, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas un cœur de donateur, tu ne peux pas donner. C'est un cœur. Et si tu n'as pas ce cœur là, il faut demander ce cœur. Dieu a dit à Saül, je vais te donner un cœur de royauté. La Bible dit que lorsque Samuel a croisé Saül, Dieu a enlevé son cœur de pierre et lui a donné un autre cœur, un cœur pour qu'il soit roi. Si ton cœur est de pierre, ça va être transformé en cœur de chair, sensible au plan et à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui tombent. Demandez à eux, et vont dire quoi? Qu'ils ont la main facile. La Bible même dit que Dieu fait des largesses. Dieu a la main facile. Si tu n'as pas la main facile, homme frère, il te sera difficile de prospérer. Il y a des gens qui savent les gens qui donnent. Ceux qui donnent, n'est-ce pas parce qu'ils en ont.
c'est de ça que je veux te parler. Parce que depuis que tu es prêché sur l'imagination, amen, vous l'avez tous, chacun a compris que son imagination vient de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Chacun a compris que le fait d'imaginer que les gens ne risquent, ça c'est pas un péché, n'est-ce pas? Amen. Chacun a compris que son imagination a des soucis de cela, c'est une bonne chose. Tu as imaginé ça. Mais maintenant, c'est à toi. Maintenant, puisque c'est les yeux de ton esprit qui voient ça, les yeux de ton âme, dans tes pensées que tu vois ça, maintenant, moi, je veux que tu rentres sa physique. Je vais t'amener aujourd'hui à rendre sa physique pour voir avec tes yeux de chair. Amen. Amen. Avec tes yeux de chair, tu vas voir. Amen. Si tu vois ce qui est en toi, ça va s'accomplir. Ne sois pas pressé. L'homme qui a arrêté la salle, c'est bien qu'il a arrêté. Faut lui dire ça. Amen. Si au moins il peut garder ses secrets là pour moi seul. Mais je décide, le Seigneur me dit de partager ça avec toi. Amen. Donc il faut être patient, puis tu vas recevoir. Faut à tes problèmes du doigt, laisse tes problèmes du doigt. On finit à 11h. Reçois seulement. Dis amen. Amen. Voilà. Reçois la parole. C'est la parole qui va t'aider à devenir ce que tu veux être. Amen. Désire quelque chose, souvent tu peux le dire. Je prends un exemple. Je désire monter une entreprise de fabrication de quoi? De voitures, ou d'avions, ou de vélo, ou de moto, etc. Hein? Et puis tu formules ça, tu mets cette parole, ce désir-là, tu le fais sortir par le verbe, par la parole. Si tu es chrétien, c'est par la prière que tu vas adresser à Dieu. Amen. Seigneur, je veux monter une entreprise de fabrication de véhicules. Seigneur, je veux monter une entreprise de transformation du café, du cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? C'est des imaginations. Est-ce que vous voyez? Je veux monter une entreprise de raffinerie du pétrole en Côte d'Ivoire. Je cite ces grands projets-là parce que vous avez toujours été dans vos projets de momie à lait. Amen. Vos projets de galettes. Vos projets de bang, de mangue et de soumala. Projet de banque de l'Union 10 francs. Votre projet de banque mettre 4 devant votre porte, pas de vos chinois avec vos bonbons, 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs avec vos notices. Votre projet de misère. Non! Si tu as des petits projets, c'est en fonction des petits projets que tu as te bénir. Si tu as des projets de être un constructeur automobile, alléluia! Tu es ambitieux. Si tu imagines ça, c'est en toi. Maintenant, moi, je veux que ce que tu imagines, je veux aujourd'hui t'amener ça sur le physique. Amen. Pour que tes yeux de chair puissent voir ce que tu as imaginé. Est-ce que tu as compris? Amen. Ce n'est pas que tu dis que tu vas aller voir un architecte qui fait des échantillons de cité. C'est pas ça! Amen. Des fois, bon, c'est pas ça! Amen. Alléluia! Amen. Frère, faut dire amen. 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 Est-ce que tu es content des enseignements des derniers jours? Je ne vais pas arrêter ça jusqu'à ce que chacun d'entre vous rentre dans vos possédés. Je ne vais pas arrêter ça jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez posséder. Il y a des gens qui vont les obliger à voir ce qu'ils ne peuvent pas voir. Et je suis dans cette posture de vous amener de l'autre côté de la vie. Je suis dans cette posture de vous amener à traverser la mer. Par la prière, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il recherche. Alléluia. Et il est dit en Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est vrai, en général, la plupart des chrétiens sont des paresseux dans la prière, paresseux dans l'intercession. Mais quand il s'agit de dire à Dieu, moi ce que je veux là, je ne suis pas paresseux. Dis amen. Amen. Qui, même s'il n'aime pas la prière, va pas dire à Dieu, Dieu voilà ce que je veux, n'est-ce pas? Même si tu vas prier une heure de temps,
3 heures de temps, 4 heures de temps, ou 10 heures de temps, ou une demi-journée, ou pendant 24 heures. Mais quand tu as un désir brûlant en toi, il y a quelque chose que tu veux, ça au moins tu peux te mettre devant ton menu. Seigneur, je veux ça, n'est-ce pas? Ou alors voir le pasteur, ou un ancien, ou un diaconesse, ou un responsable, ou un responsable, vous dire, ah vraiment, prie pour moi parce que voilà ce que je veux, n'est-ce pas? Ça le moins tu l'as déjà fait. Donc c'est la parole orale. Tu as dit ça à Dieu par la prière. C'est le verbe. Le verbe est sorti. Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous le ferai. Vous allez comprendre pourquoi Jésus dit à mon nom. Aujourd'hui là, il faut que je te fasse comprendre ça. Je ne sais pas si, mais c'est jusqu'à 20 en fait. Je ne sais, si le Saint-Esprit me rappelle ça, je vais te le dire. S'il ne me rappelle pas aussi, il ne veut pas que je te le dise. Amen. Mais je crois que nous sommes dans une logique de révélation, de mystère, de l'exaucement et de l'accomplissement de tes désirs, de tes prières et de ce que tu veux. Tes désirs là ne sont pas forcément des péchés. Ce que tu désires n'est pas un péché. Quelqu'un est là, il a faim, il désire manger, pour dire que non, c'est un péché. Les désirs ne sont pas un péché. Ta passion, ce qui te passionne n'est pas forcément un péché. Moi, ma passion, c'est Jésus-Christ. Ma passion, c'est d'enseigner. Ma passion, c'est de parler du Seigneur. Ma passion, c'est de prier, etc., etc. Chacun a sa passion. Ce qui te passionne, c'est ce qui va déterminer si ce que tu aimes là, c'est un péché ou c'est pas un péché. Amen. Est-ce que tu as compris? Amen. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jésus dit, si vous demeurez en moi et puis moi mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous allez, ce que vous voulez et puis cela va s'accomplir et puis cela vous sera accordé. Mais pourquoi, mon Dieu, à mon frère, tu dis que moi je dois m'attirer, je fais des offrandes, je fais des dons, j'intercède, je crie, je jeûne. Mais depuis là, c'est quand il demande à Dieu, il ne m'a pas encore apporté. Dieu ne m'a pas encore exaucé. Plusieurs ont vécu cette expérience, c'est vrai ou faux? Amen. Si tu as déjà vécu cette expérience, tu as déjà adressé des prières à Dieu qui n'a pas été encore exaucé jusqu'à aujourd'hui. Qui a déjà demandé quelque chose à Dieu, puis jusqu'à après, ça n'a pas encore accompli. Lève la main. Je déclare ce matin qu'à partir de maintenant, amen, cela va s'accomplir. Si tu comprends ce que je vais dire ce matin là, à partir de maintenant là, ça va s'accomplir. Ce que tu désires là, ta prière, ton sujet de prière là, regarde, ça va rentrer dans le processus d'accomplissement, le processus de l'exaucement. Regardez, quand tu dis quelque chose à Dieu, quand tu dis Seigneur, je veux ça, tu as dit ça, mais est-ce que tu as mis ça dans le processus de l'accomplissement? Je veux appeler Aristide. Maintenant, j'ai deux numéros. Il y a un qui est Orange, il y a un qui est MTN. Dans MTN, là, il n'y a pas de minute. Mais dans Orange, il y a une minute. Et puis, je prends MTN, là, j'appelle Aristide. Vous croyez que je pourrais jouer Aristide? MTN va me dire que je n'ai jamais d'unité. Je ne vais pas insister. C'est vrai, j'ai la puce de MTN. Je suis reconnu à MTN. Je suis fiché à MTN. MTN me reconnaît comme son client. Mais je dis, il n'y a pas de minutes, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'agenda. Je vais pas essayer. Pendant 1000 ans, je vais appeler Aristide. 1000 ans, ça ne répondra pas. Pendant 1000 ans, je ne serai pas exaucé. Jamais. Pourquoi? Parce que je suis appelé avec le mauvais numéro. Comprennent que c'est avec le numéro orange là, dans lequel il y a des minutes, il y a de l'argent, je peux appeler ainsi. Quand je commence, quand il lance, ça sonne avant toi. Il va te poser, oui, allô? Yes. Plusieurs, vous appelez Dieu avec des numéros qui ne passent pas. Dieu reconnaît ça. Dieu te reconnaît comme son enfant. Il te reconnaît comme sa fille, comme son fils. Il te reconnaît comme son serviteur, sa servante. Il te reconnaît comme un enfant scellé qui l'aime, qui fait tout. Mais malheureusement, tu prends toujours le mauvais numéro, il n'y a pas de l'unité là pour l'appeler. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, depuis longtemps vous demandez, vous ne demandez pas. Et d'ailleurs, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Et quand tu vas dire à lui, les gens, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais je demande mal comme tu utilises la mauvaise puce. Mais ce matin, yes, ce matin, je vais te montrer la puce que tu vas utiliser. Amen. Jésus dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Mais toi, depuis longtemps, je demande à Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un.
évangélique, les chrétiens évangéliques, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça ne s'est pas exaucé? Pourquoi ça ne s'accomplit pas aujourd'hui là? Le secret là, je vais te montrer ça. Et puis quand tu vas partir, tu vas faire. Amen. Je te donne 12 mois, jour pour jour, à côté d'aujourd'hui, tu vas voir tout ce que tu vas demander à Dieu là. Tout ce que tu vas demander à Dieu. En général, cela va s'accomplir. Parce que la révélation est biblique, la révélation est théologique. Quand on dit théologie, la théologie c'est faire un discours sur Dieu, la théologie c'est faire un commentaire sur Dieu. La révélation là est divine, c'est sacré. Voilà pourquoi il faut écrire ce que Dieu a dit. Ou bien après, quand on va balancer ça, il faut enregistrer, il faut mettre ça dans ton compte, et puis tu écoutes. Je suis là pour parler. Amen. Donc, la prière est sacrée. Quand le chrétien s'adresse comme ça à Dieu, là, c'est sacré. Il ne s'adresse pas à un poids. Il ne s'adresse pas à une idole. Il ne s'adresse pas à un manqué. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Dis amen. Amen. Le chrétien s'adresse à Dieu. Donc sa prière est sacrée. Dis à quelqu'un qui prépare. C'est que tu dis à Dieu là, c'est sacré. C'est à Dieu, c'est sacré. Donc, la parole orale. Demandez tout en son nom et puis on va recevoir. Yes. Et vous ne demandez pas. Pourtant tu demandes, mais vous n'avez pas dit, il ne demande pas. C'est comme j'ai fait le numéro d'un dans lequel il n'a pas d'unité, j'appelle la vie. Ah ça, tu me dis, quand il va la faire, il t'appelle. Là non, tu ne m'as jamais appelé, n'est-ce pas? Moi je l'ai appelé, ma fille a dit, tu ne m'as jamais appelé, parce qu'il n'a jamais reçu mon coup de fil. Amen. Jamais. Dieu c'est comme ça. Toi tu dis que tu demandes à Dieu au nom de Jésus-Christ, mais tu ne reçois pas. Mais je suis là ce matin pour te dire que en fait tu lui demandes, mais ce n'est pas à lui que tu demandes, ça ne va pas vers lui, homme frère. Ce matin je vais t'amener à comprendre ce mystère. Amen. Pourquoi pas de désormais là, tu ne continues plus toujours à prier comme les fléquins. Amen. Les chrétiens qui prient qui ne sont pas exaucés. Amen. Tu dois être exaucé, homme frère. Amen. Tu aussi dois t'exaucer. C'est comme quelqu'un qui veut une veste. Depuis qu'il est né, il n'a jamais porté une veste. Il n'a même pas pris de veste. Et puis il veut une veste. Mais s'il t'adresse à un couturier qui ne sait pas coudre une veste, il va jamais t'apporter une veste parce qu'il ne sait pas coudre. Mais s'il t'adresse au bon couturier qui sait coudre une veste, il va te coudre une veste. Mais pourtant les deux là sont appelés couturiers. Styliste, on l'appelle tout de tous les noms, mais je dis, il faut la même fonction, c'est la même machine que j'utilise. Mais à elle qui peut couturer, ne peut pas couturer. Et ce matin, tu vas t'adresser au couturier des couturiers. Amen. Tu vas t'adresser au PDG des PDG, amen. Le fondateur des fondateurs, amen. Des sociétés, des entreprises, des usines, parce que chacun de vous doit devenir un chef d'entreprise. Amen. Vous voulez être riche? Si tu veux être riche, cesse d'être salarié. Yes. Le salarié ne peut pas être riche. Amen. C'est celui qui entreprend qui devient riche. Amen, amen, amen. C'est l'homme d'affaires, l'homme d'affaires qui devient riche. Amen. Tu peux être salarié, mais étant salarié, il faut avoir fait ambitieux. Amen. Il faut avoir d'ambition. Amen. Il faut avoir une vision. Amen. Il faut avoir de l'imagination. Amen. Tu travailles pour avoir un salaire. Tu fais des économies. Mais ces économies-là, il faut pouvoir monter un projet avec sa tes mains. Amen. Il faut pouvoir monter une entreprise avec sa tes mains. Amen. Une entreprise peut-être d'Orange Money. Amen. Une entreprise peut-être de voilà. Une entreprise de plantation, etc. etc. Amen. Il faut pouvoir monter pour qu'un jour, toi aussi, tu ne sois plus toujours salarié, mais qu'elle devienne propriétaire. Amen. Qu'elle devienne PDG. Amen. C'est ça. Amen. Mais les gens se contentent d'être toujours salariés. C'est bien d'être salarié, mais c'est fondateur de société. Amen. Et je veux que chacun de vous devienne fondateur. Amen. Je veux que chacun de vous devienne PDG. Amen. Parce que nous avons le PDG des PDG. Amen. Oui, c'est ce que nous devons comprendre. Amen. Tu es salarié, c'est bien. Dieu t'a ouvert la porte du travail. Tu es un salaire par mois, c'est bien. Mais la porte que Dieu t'a ouvert,
de tout, de m'avoir vraiment pris soin de moi durant ces temps, ces 10 ans ou de 15 ans ou 20 ans de service auprès de toi. Maintenant, vraiment, patron, je rends ma démission parce que je vais monter ma propre boîte. Le patron va te dire mes félicitations. C'est ça. Toi, au moins, tu es un homme aguerri, un homme prévenu, un homme ambitieux. Mon employé me dira mon collègue, homme d'affaires. Yes, oh. Amen. On t'a appelé collègue. Amen. Pourtant, tu as été d'abord son employé. Yes. Et puis, ceux qui étaient avec dans la même boîte là, eux vont rester toujours collègue. Eux-mêmes, là, tes collègues d'avant, dans cette boîte, on t'a appelé patron. On t'a appelé boss. Yes. Et puis, ouais, et puis, ouais, quand vous partez quelque part, toi, tu as acheté avec l'ancien boss. Amen. Tu es son boss. Mais qui n'est plus pas ton boss. C'est ça. Mais yes, tu es ton ami d'affaires. Yes. Vision que tu dois avoir. Amen. Et que tu n'auras pas cette vision, tu seras toujours à la traîne. Hein. Quand tu travailles avec quelqu'un, et puis demain tu deviens comme lui, une personne ça va te dire, mais félicitations. C'est ça. Je savais que tu étais une bonne personne. Amen. Je savais que toi tu étais avec la famille. Vraiment, tu quittes ma boîte, j'ai du regret parce que tu fais vite. Mais mon frère, tu as appelé aussi à devenir grand. Amen. Et puis vous devenez des amis. Ah mon frère, dis amen. Amen. Ça, tu dois comprendre ça. Amen. Les chrétiens n'ont pas encore compris ça. Ils se contentent toujours des miettes. Ils se contentent toujours de ce qui est misère, pauvreté. On est là toujours derrière. Jésus a dit, tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Amen. Quand tu es queue. La queue, là, c'est toujours pour la caca qui sort. Amen. Hmm? Les animaux, là, quand tu vois la queue de face, queue du popotant, c'est du chiffre que tu pourras, tu es foutu. C'est un petit comme ça, caca sur la vente, il remet ça dans l'eau là, partout, ça est tout là, son caca. Mais c'est ça. Amen. Tu mets dans la queue, tu es où la caca là hein? Souffrez qu'il dit ça, moi, vulgairement. Amen. Les excréments, les péchés. C'est là-bas tu es, on y va dans la tête. Là, on met bouche, on met caca dans la bouche. Jamais. Même pas. Hein? Non. Dans la bouche, on met tout ce qui est bon, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé, Amen. Tout ce qui est doux, Amen. Tout ce qui est bon. Amen. Tout ce qui est bon. Se trouvent les yeux. Hein, les yeux, là, ça va me regarder. Ça cherche à voir tout ce qui est bon. Qui va chercher à aller regarder dans le PC? Amen. Non, jamais. Tes yeux vont se fâcher un jour contre toi. Mais narine, là, ça sert à respirer. Ça donne la vie. Toi, tu n'es pas sur la tête. Tu n'es pas yeux. Tu n'es pas narine. Tu n'es pas bouche. Tu as tout fait pour aller à ton cœur. Où il y a PC, là, tu sens. C'est pas parce que tu l'as pas. Mais parce que tu as décidé à être cœur. Je suis dit, demander. Donc premièrement, vous avez toujours demandé. On appelle ça la parole orale. La parole, le verbe. Amen. Quelqu'un dit, les paroles s'envolent, n'est-ce pas? Les écrits font quoi? Reste. Quand je parle, c'est fini. Tu n'as pas enregistré, c'est fini. C'est parti. Si toi tu n'as pas écrit, si moi je n'ai pas écrit, si tu n'as pas écrit, c'est ici. C'est fini. Mais pourquoi ça peut se rester? J'écris. Et puis je viens. Quand je jette un coup d'œil pendant que je vous parle, je vois la première phrase, je compte, je sais la suite. Amen. Et puis maintenant, je ne veux que vous redire que ce qui est écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pour que ton cœur soit vivement touché. Si ton cœur n'est pas touché par la parole, tu ne prendras pas d'initiative. Si ton cœur n'est pas touché par la parole, tu ne changeras pas d'attitude. Et si tu ne changes pas d'attitude, tu ne prendras pas de l'attitude. Pourtant, tu dois décoller. L'avion, même avant de décoller, il fait marche arrière d'abord. Quand il fait marche arrière, il fait demi-tour d'abord. Il va au bout de la piste. À l'autre bout. Et puis maintenant, il va décoller. Il s'est même pas obligé de la piste pour décoller. Soit il va tomber. Il va au fond de la piste. Mais là, il va décoller maintenant en force. Il met le plein gaz. Tous les moteurs, tous les réacteurs d'avion sont en marche pour décoller. Parce que pour décoller, ça va être avec puissance. Parce qu'il y a des tonnes. Il y a des marchandises qui sont à tonnes dans l'avion. Il y a des gens qui sont assis dedans. Donc il faut qu'ils décollent avec puissance. Quand ils mettent la moteur à gaz à fond. Oh frère, le temps de mon avion, tu vas voir ce qui s'est passé. Amen. Ah, il va faire ça. Les nuits, tu vois, c'est même dans notre vie de couler. On dirait un voleur encore poussé comme un super, puis la pêche. Quand on a mené le fil, on est venu partir au ciel pour y passer dessus. Amen. Donc, la parole, vous avez toujours parlé, vous avez toujours dit à Dieu, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. Tout le monde a dit à Dieu une fois. Mais plusieurs fois, on dit, plusieurs fois, on ne va pas se laisser exaucer. Pourquoi? Deuxièmement, la parole physique, amen,
qui est écrite. On est écrit sur ces papiers. Ce que tu as dit là, tu as mis c'est écrit. Donc, la parole orale, le verbe là, il y a sa forme. Mais les écrits là restent. Exode verset 17, verset 14. Exode 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Dieu dit à quoi? À Moïse. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Écris, Dieu dit à Moïse, il faut écrire. Je te dis à Moïse, mais écris. Amen. Il faut écrire. Amen. Il faut écrire. Parce que ce que je suis là à dire, tu vas garder le souvenir. Puis tu vas partager ça à tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Amen. Il est dans verset 27 d'Exode, chapitre 34, Exode 34, verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Dieu dit quoi à Moïse? Il dit, écris. Homme frère, Dieu l'a dit, écris. Écris. À Sébé, Sébé. Sébé. Écris. En moré. Gourché. Gourche. Écris. Et en anglais. Right. Écris. Écris. Et en bété. Hein? Télé. Télé. Et en baoulé. Clair. Clair. Et en aplomb. Hein? Boulé. Boulé. Et en coulambo. C'est propre. On bénit, on applaudit le Seigneur pour l'église. Tout est sorti. Et Amina, et Amina, et Amina. Hein? Cruel. Cruel. Ah, c'est ça. Ah, c'est que. Il n'a pas prononcé. Pas même pour la fin de la mort. Chiffon, Amina. Amina. Ça c'est pas là, hein. Tu as béni au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Vous voyez, dans toutes les langues, il y a écrit. Dieu t'a moins écrit. Hey. Faut dire à ton frère d'à côté de toi. Écrit. Hey. Dieu dit, écrit. Afin que ça ne disparaisse pas. Il dit, afin qu'on garde le souvenir. Écrit pour ne pas que ça disparaisse. Amen. Ce matin, yes. Si tu es sage, tu commences déjà à comprendre ce que je t'ai dit. Bien sûr. Ce que tu as dit dans ta parole, ce que tu as dit à Dieu, oh Seigneur, je veux ceci, je veux cela, parce que tu as imaginé ça en toi. Et puis tu dis à Dieu, c'est la parole orale, c'est le verbe, ça s'envole. Quand tu as fini de dire, on ne voit pas la trace, on ne voit pas le cri, on ne voit pas l'odeur, on a peut-être le bruit, mais ça a disparu. Le Seigneur t'a Moïse écrit. Amen. Ce que tu as dit là, tu m'as écrit. Yes, sir. Amen. Bon. Pourquoi tu as dit d'écrire là? C'est ça ma foi. Dieu nous faut dire pour qu'on garde le souvenir. Il dit jusqu'à l'accomplissement. Donc c'est quand écrit s'accomplit. Yes. Amen. Je dois te dire quelque chose ce matin. Il a dit, l'Éternel dit à Moïse, écris ses paroles. Car c'est conformément à ses paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Il dit, c'est conformément à ses paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. C'est conformément à ce que tu vas écrire là. Que moi, Dieu, là, que j'ai dit là, que je vais saucer. Que je vais amener cela à l'accomplissement. Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Il a écrit, Dieu dit, j'ai écrit pour leur instruction. Exode 31, verset 18. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage. Table de pierre, écrit du doigt de Dieu. Dieu lui-même, il a écrit. Il a écrit la loi sur deux tables. Dieu a écrit.
vas voir les chefs d'entreprise ici. Et tu vas voir les gens qui vont travailler. D'autres à la Banque mondiale. CAO. Et puis là, tu tiens ton diplôme. Le diplôme là, c'est venu comme canton. Si on est tenté d'aller payer, on vient aller à ça. Conserve ça. Parce que le temps de ton diplôme a arrivé. L'heure de ton diplôme a sonné. L'heure de ton diplôme a sonné. Où on t'a toujours refusé là, tu vas rentrer là-bas. Ton diplôme, tu vas rentrer là-bas. Amen. Parce que tu as écrit. Amen. Tu as écrit ça quelque part. Amen. Tu as écrit pour toi. Amen. Il a écrit pour chacun d'entre nous. Amen. Il est dit à Exode 32, verset 16, le temple était l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu. Gravé sur les tables. Amen. L'écriture était l'écriture de qui? Dieu. Amen. Mais frère, pourquoi Dieu écrit? Ne pouvait-on pas transmettre de génération en génération ce qu'il a dit de manière verbale? Si on transmet de bouche en bouche, de parole en parole orale en parole orale, de verbe en verbe, ça finit par se transformer. Mais pour ne pas que ça change, pour ne pas que la parole soit déformée, pour ne pas que la parole soit transformée. Amen. Il dit, même ça va écrit. Alléluia. Ce qui a écrit ne sera jamais déformé. Amen. Ce qui a écrit ne sera jamais tordu. Amen. Ce qui a écrit ne sera jamais divisé. Mais ce qui est dit oralement, quand tu vas capter, tu vas lui dire ça. Il va aller, s'il n'est pas écrit. Il va aller dire, mais peut-être qu'il va faire d'autres manières. Amen. Il va dire, avec un grain de sel. Mais après, il va dire, avec un grain de sel. Deux grains de sel, trois sel. Jusqu'à après, ce que tu as dit au départ. Avant la centième personne, ça aura carrément changé. Et puis on dit, voilà ce que tu as dit. Amen. Alors que ce n'est pas ce que tu as dit. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu as dit là, tu l'as dit oralement. Ça n'a pas été écrit. Amen. Ta parole était orale. Elle n'a pas été physique. Amen. Ta parole doit être physique. Amen. Ce que tu désires là doit devenir physique. Yes. Ce que tu dis là doit devenir physique. Amen. Tu dois voir ça. Amen. Avec tes yeux de chair. Amen. Tu dois voir ce que tu as dit. Dieu a dit à Moïse, écrit. Et lui-même Dieu là, il a écrit. Et il a dit que c'était le doigt de Dieu qui a écrit. Il a dit que c'était l'écriture de Dieu. Amen. Dieu le voit dans l'écriture. Yes. Amen. Il dit, regarde ceci, regarde. Oh frère, comme je l'ai dit, en général, quand on parle, ça ne reste pas. Mais quand on écrit une lettre, cela reste. Et on conserve les lettres là, pendant des mois. Ça peut faire des siècles là, c'est des lettres. On prend et puis on dit. Toutes les alliances et les lois de Dieu avec les hommes ont été écrites pour notre application par la lecture. Toutes les alliances que tu as tissées avec la race humaine, toutes les lois que tu as faites pour les jumelles, ça a été pas écrit. C'est lui qui a dit donc écrit. Ça va ce qu'on a lu. Il est écrit. Pourquoi? Pour que toutes les générations puissent mettre cela en application. Parce que c'est que les générations qui viendront, qui ne vont pas entendre parler, et même certains parlent, ça risque d'être déformé. Pour ne pas que cela soit déformé, et que la parole soit comme au premier jour où il a dit, là, il dit écrivez. Et puis il a écrit lui-même. Et puis il a dit à Moïse, écrit. Et puis cela a été mis sur écrit. Cela a été écrit. Et cela demeure jusqu'à aujourd'hui. Homme frère. Donc tout ce que Dieu a fait avec les jumelles, il dit écrivez. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours, tout ce qui a été passé par la loi jusqu'à la nouvelle alliance, il dit écrivez. Ils ont écrit pour ne pas que ça change. Donc Dieu a toujours rendu ses lois et alliances par écrit pour que nous voyons afin de l'appliquer à notre vie. Ce que Dieu a permis qu'on écrive, c'est pour que toi et moi puissions l'appliquer. Mais c'est en se l'appliquant, en mettant ça en pratique, que nous allons voir la puissance de Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu. En écrivant ce que tu veux, cela demeure toujours jusqu'à l'accomplissement. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux là, c'est la prière. Là. Vos désirs là sont des prières. Ce que tu désires ardemment avoir là, c'est une prière. Même si tu n'as pas ouvert la bouche pour le dire. Mais ce que tu désires voir, ce que tu désires obtenir, ce que tu désires posséder là, tu dois écrire ça. Amen. Dis à ton frère, pas d'aujourd'hui, écris. Pas d'aujourd'hui, écris. Regarde, écoute-moi bien. Quand tu vas commencer à écrire ce que tu veux là, hein, à
partir de 60 choses que tu veux, que tu désires dans ta vie, tu seras coincé. Et dans ta tête, tu seras coincé. Tu ne sauras plus quoi demander. Mais quand tu seras coincé, tu ne sauras plus quoi demander. Continue d'écrire son nom. Cherche quelque chose que toi tu veux pour écrire. Là, tu veux construire une villa. Tu écris. Je veux construire une villa. Et puis tu m'as en tête, sujet de prière, le thème là. Sujet de prière adressé à Dieu par Jésus-Christ. Et puis là, tu mets un. Tu veux quoi? Faut que tu dis, je veux construire, bâtir une cité en duplex de 500 maisons. Deux. Je veux posséder 3 jets privés. 3. Je veux être milliardaire. 4. Je veux être chef d'entreprise. Je veux posséder assez de raffineries. 5. Je veux être milliardaire en dollars. 6. Je veux avoir un mari. 7. Je veux avoir une belle femme blanche. 8. Tu écris seulement. Tu écris seulement. Tu es tout ce qui vient à ta tête là sur ton image. Écris tout ce que toi tu veux. Il faut écrire. Dis à ton frère, écris. Écris sur le moi. Et je vais vous dire quelque chose. Même les prophéties ont été écrites. Amen. Et puis cela s'est accompli. Il y a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies. C'est écrit, mais ça va s'accomplir. Le Seigneur dit, même si cela tarde, la prophétie d'Abakouka, il a Abakouka écrit. Écrit. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Écrit. Abakouk a écrit. Il dit même si la prophétie elle tarde de s'accomplir, ce que tu as écrit là, même si ça dure, même si ça ne s'accomplit pas, faut rester serein et imperturbable. Parce que ça va s'accomplir. Hey! Hey! Ça va s'accomplir. Regardez, Dieu a toujours dit écrit. Écrit. Tant que tu vas écrire ce que tu as écrit là, ça ne peut pas s'effacer. C'est pas un crayon, il faut écrire un pic. Ça va s'effacer. Même si un jour tu as perdu ce que tu as écrit là, tu reprends ça sur notre feuille. Amen. Et puis chaque fois que ce que tu as écrit là, une chose accomplie là-dessus, tu mets devant. Accomplissez-moi. Yes. Accomplissez-moi. Amen. J'ai dit accomplissez-moi. Accomplissez-moi. Exaucement. Cela va arriver. Tu as dit à Moïse, écrit. Et lui-même, il a écrit. Il a dit au prophète, écrivez la prophétie. Amen. Je prophétise, il a prophétisé sur Israël. Qu'Israël habitera de belles maisons, Deutéronome 8. Israël, tu habiteras de belles maisons. Israël, ton or va s'augmenter. Je vais augmenter ton argent. Je vais augmenter ton travail. Je vais payer le travail de tes mères. J'augmenterai ton or et ton argent. Je multiplierai ton menu et ton gros bétail. Je te donnerai tout ce que tu veux, Israël. Je te rendrai prospère. Tu posséderas la terre que j'ai promis à tes pères. Je te donnerai la grandeur. Je te lèverai, je te rendrai ceci et cela. Dieu a dit à Moïse, écrit. Et puis il a écrit. Et puis cela s'est accompli. Je te rendrai plus intelligent que les autres peuples, les peuples, les autres nations. Il a écrit. Les Juifs sont plus intelligents que toutes les nations de la terre. Yes. GPS là, vous voyez GPS là, c'est les Juifs qui ont fait ça. CLSB là, c'est les Juifs qui ont fait ça. Plein de trucs qu'on fait. Leur savoir au-dessus, c'est les Juifs qui ont créé la bombe atomique. Pour les Américains. Les Américains ne peuvent pas se lever contre les Juifs. C'est eux qui ont fait les États-Unis, les Juifs, que vous voyez. Ils ne sont pas beaucoup. Mais leur intelligence est supérieure. Écris ce que tu veux. Seigneur, mon enfant, mes enfants n'ont qu'à devenir intelligents. Mes enfants n'ont qu'à écrire tes sujets de prière. Même tes enfants qui ne sont pas connus. Seigneur, je veux 10 enfants. J'écris 10 enfants. Seigneur, je veux que mon enfant, il n'a qu'à devenir joueur professionnel comme Didier Drogba. Comme Samuel Eto'o. Écris. Je dis, il faut écrire. Je suis à parler. Est-ce que je suis à parler? C'est quand tu vas écrire là. Où ta place au Seigneur, ça va s'accomplir. Amen. Je dis ça va s'accomplir. Amen. Tu écris ça dans ta tablette, tu écris ça dans ton smartphone, tu écris ça dans ton téléphone, écris ça sur un bout de papier. Les mêmes choses là, mets ça au chemin de ton lit. Chaque soir, avant de prier ou après la prière, prends et puis dis. Oh yes. Je dis, lis ça. Amen. Lis ça. Si tu ne sais pas lire, quelqu'un qui est qui dort avec toi, ou qui est à côté toi, n'a qu'à lire ça pour toi. Lis chaque nuit que Dieu fait. Lis
ce que tu as écrit là, je te parie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque année, chaque 12 mois, au minimum, 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 10% de ce que tu veux va s'accomplir. Si c'est accompli, hein. Le minimum avec Dieu là c'est 10. Voilà pourquoi la dîme là c'est 10%. Le minimum avec Dieu c'est 10. 10% de ce que tu as écrit là va s'accomplir. Ça ne peut pas ne pas s'accomplir. C'est pas possible. Parce que Dieu là, il ne se contredit pas. Il ne se dédit pas. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui arrive. Alléluia. Tu vas entendre quelques rats qui te disent, moi demander ça à Dieu, puis Dieu, mais tu sais qu'il n'a pas écrit. Oui. Oui. Mais tu as écrit ça quelque part dans ton imagination. Et puis chaque soir, tu es toujours revenu sur ça. Voilà pourquoi ça s'est accompli. Mais tu ne sais pas. Ça a toujours été tes rêves. Tu as tellement imaginé du cas quand tu vois ça dans ton sommeil, dans tes rêves. Ce n'est pas des mauvais rêves. Ce n'est pas le rêve d'un cerveau fatigué. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un qui est abattu. Mais c'est le rêve de quelqu'un qui a une vision. C'est le rêve de quelqu'un qui a une révélation. C'est le rêve de quelqu'un qui est ambitieux. Quelqu'un qui rêve. Il rêve d'habiter dans des grandes villas. Il rêve. Chaque jour, c'est ça, il pense. Chaque jour, c'est ce qu'il désire. Ça devient comme une écriture dans son âme. Chaque jour, c'est ce qu'il veut. Chaque jour, c'est ce qu'il dit. Oh Seigneur, je vais habiter. Hey! Tôt ou tard, villa, tu vas habiter. Amen. Amen, amen, amen. Moi, je suis enfant de coupe commune. Amen. Moi, je suis dans le village. Moi, je n'ai pas le père, je suis né à la maison. Moi, je suis un Dieu, hein. Je suis né à la maison. Et avant qu'ils soient nés à la maison, c'est le Dieu. Là. Et bien, avant qu'ils naissent à la maison, elles fatiguent les mamans. D'accord, je me fatigue. Alléluia. C'est une manière de parler. Mais pour vous dire que ce que tu fais là, faut écrire ça pas d'aujourd'hui. Dieu a dit à Moïse, écris. Amen. C'est une révélation. Amen. Il faut écrire. Amen. Tu écris tout ce que toi tu vas dire. T'assois, tu écris ça. Si tu ne sais pas écrire, comment ça à faire coup du soir, mais ça apprend à écrire. Mais Dieu a rien à côté de toi. Mon ami, je ne sais pas écrire. Comment c'est écrit pour moi? Et puis tu sais tout ce que tu veux là, tu écris. Tu écris. Et puis dis toi, toi tu dépilles les cuissons. Maintenant les soirs, débrouille-toi pour voir les chats. Mais moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Là, moi, je dis, apprenez à écrire. C'est ça l'affaire. C'est ça. Parce que il y a des secrets dans lesquels je te rends. Ah, je suis même savais écrire. Oui. Mais Mahomet, ça ne veut pas écrire. C'est vrai. Oh, comment? Dieu? C'est la différence. C'est la différence. Jésus ne savait écrire. Mahomet n'est pas écrit. Amen. Il n'a pas été écrit qu'il n'y a pas que Jésus a parti à l'école, mais il s'est écrit. Il la Bible dit qu'elle a envoyé la femme qui était accusée d'adultère sur lequel on se prend en des lectures. Jésus a baissé la tête et puis il a commencé à écrire. Amen. Je suis sûr que c'est qu'il écrivait là. Femme, tu seras libérée. Amen. On ne va pas te lapider aujourd'hui. Amen. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. Amen. Tous tes accusateurs, voilà aussi leur péché. Amen. Je t'ai écrit jusqu'à Amen. Un plus aucun état. Accusés ils sont partis. Moi je te condamne pas. Va et ne recommence plus. La prière, l'écriture va te libérer. Yes. Oh. L'écriture. Quand tu vas écrire comme ça, pour Dieu là, tu vas écrire les choses de Dieu. Quand tu vas écrire, ça va t'affranchir. Quand tu vas écrire, ça va te donner le succès. Quand tu vas écrire, ça va s'accomplir. Bon maintenant j'ai pas la fin d'écrire. Maintenant, ceux qui ne savent pas écrire, on dit, ah, si on ne sait pas écrire, on va faire comment? Moi, je ne sais pas. C'est ça. Moi, je ne sais pas. Voici le problème. Moi, je ne sais pas comment je vais faire ça. Bon, viens voir Aristide. Ou bien voir Junior, ils vont écrire. Maintenant, la nuit, comment ils vont faire pour dire, là, moi, je ne sais pas. Hein. Si tu vas les appeler, puis ils disent pour toi, moi, je ne sais pas comment ils vont faire pour toi. Là. Toi, même va dire. Alléluia! Amen! Écriture, tiens, Moïse, écrit. Il a dit, l'écriture était l'écriture de Dieu. Et que tu as écrit, c'est le doigt de Dieu qui a écrit ça. Amen! Si tu écris ce que tu veux, ça va s'accomplir. Amen! Mais si tu écris, et puis tu souhaites la mort de quelqu'un, ça va pas s'accomplir. Parce que là, tu deviens un sorcier. Amen. Dieu n'est pas là pour tuer. Si tu écris pour combattre tes ennemis, oh, parce que tu veux que tes ennemis deviennent pauvres, ça ne va pas s'accomplir. Jésus a dit, bénissez, ne maudissez pas. Même ceux qui te combattent là, même ceux qui ne t'aiment pas là, il faut les bénir, il faut prier pour eux. Amen. Il faut écrire ce que toi tu veux, ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux. Amen. Écris ça. Tu vas chercher chef d'entreprise, écris ça. Amen. J'ai envie d'enseigner aux gens
ce qu'ils ne savent pas faire. Pour qu'ils sachent le faire, pour devenir grand. C'est en moi. C'est tout sur les choses à ressentir ça. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent devenir grands. Pourtant, dans leur destinée là, ils n'ont pas été destinés à être grands. Et que le destin là, c'est Dieu qui tient ça. C'est pas un homme qui tient ça. Et que Dieu peut changer le cours de ton existence pour que tu deviennes une personne extraordinaire. Alléluia. Ah mon frère, Dieu dit à Moïse, écris. Je suis là pour te dire ce matin. Je commence à écrire. Quand tu vas quitter ici, tu arrives à la maison. Il y a des gens qui aiment parler tout par le chemin. Quand ces gens paient, ils ne veulent pas réussir. Tu prends ton cahier, une feuille, tu vois, et puis cette feuille-là, c'est à la fin de chaque soir, toi, tu vas lire ça. J'écris. Prends dans ton calme, et puis tu écris tout ce que tu veux. C'est après ça, tu écris chaque soir, tu prends, tu lis ça. Même si tu as 300 choses, même si c'est 1000 choses que tu veux, tu lis. Chaque soir, quand tu finis de vie, tu fermes, tu te poses. Chaque nuit. Il te dit, du jour où tu as commencé, là, avant 12 mois, 10%, minimum, ce que tu veux là, ça va s'accomplir. Si tu as écrit 100 choses que tu veux, sur les 100, d'ici la fin de l'année, depuis le jour où tu as commencé jusqu'à présent, ces 12 mois là, il y a 10 choses que tu vas s'enlever dedans, et puis après, dans ces 90 qui ne sont pas encore accomplies. Mais je te dis que ça va plus que ça. La prophétie qui a été écrite, elle a été accomplie, sont accomplies. On appelle ça la parole physique. Amen. Tu as toujours demandé à Dieu, maintenant il faut écrire. Amen. Maintenant tu vas écrire. Chaque soir il faut lire. J'ai dit chaque soir il faut lire. En écrivant ce que tu veux, cela demeure toujours jusqu'à l'accomplissement. Quand tu vas écrire là, ça demeure, l'écriture là, ça est là. Dis amen. Si tu es seul dans ta chambre là, tu peux écrire, ça peut coller comme ça pour chemin de conduite. Colle ça même. Mais puis ça va dans la copie, tu coches. Comment tu écris l'exaucé. Reçois maintenant que tu coches ça au nom de Jésus. Tu commences à cocher au nom de Jésus. Avant que tu commences à écrire, l'exaucement commence. Parce que quand tu te dis, tu t'imagines déjà que tu l'as écrit. Et puis on te parle que tu l'as écrit, c'est Dieu t'exauce en même temps. L'accomplissement de tes vœux, de tes désirs s'accomplissent, se réalise en même temps. Amen. Donc ça c'est là. On a vu la parole quoi? Orale. Ensuite la parole physique. Ensuite, après la parole physique, la parole faite chair. Vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit, tout le monde vous demandez, demandez-le à mon nom et vous le recevrez. Vous le recevrez. Tu veux toi que vous allez demander à mon nom, tu vas recevoir. Donc ce qu'il faut retenir dans le deuxième point, tout ce que tu as écrit là, tu vois non? Tout ce que tu veux là, tu as écrit, n'est-ce pas? Donc tu vois maintenant, tu lis ça maintenant. Ce n'est plus en toi. C'est en toi, c'est vrai. Mais maintenant, tu as écrit et puis tu vois ce qui est en toi, n'est-ce pas? Il faut acclamer le Seigneur pour toi. Troisièmement, la parole a été faite chère. La parole, quand le Seigneur te dit qu'il faut écrire, il y a depuis près de 4000 ans avant que Jésus ne vienne. La parole était orale et la parole était physique. Tu as arrêté. Que toi, tu deviendras grand. Toi, tu deviendras grand. Tu seras même au-delà de ce que tu espères. Maintenant, moi, qui me dis comme un simple canard, pour venir te dire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Il a déjà tout préparé. La table est faite. Les cuillères sont là. La chaise est déjà disposée. Il reste maintenant à t'asseoir et de commencer à manger. Je vais te montrer comment manger. Vous savez, nous autres, là, on ne sait pas manger comme les Asiatiques. Les Chinois, là. Les Asiatiques, eux mangent les bâtons, les baguettes, n'est-ce pas? Parfois on a mangé avec ça, n'est-ce pas? Amen. Et c'est que je dois t'apprendre à manger. Amen. Manger de la cuit. Amen. La table est faite. Tu assis même comme ça à la table. Maintenant, comme c'est pas mangé, c'est pas cuillère, c'est pas fouchette. Amen. C'est deux baguettes, c'est pas mangé avec ça. J'ai appris à manger. Ton père n'a jamais mangé à ça. Ta maman n'a jamais mangé à ça. Tes ancêtres n'ont jamais mangé à ça. Maintenant, tu dois apprendre à manger les baguettes. Dis amen. Amen. Mais c'est que je dois t'apprendre. Manger tout est cuit. Quand tu sauras utiliser les deux baguettes, même les petits boîtes, tu vas mettre 4 pilotes. Tu n'as pas. Cric. En ce moment-là, tu n'es plus camarade de quelqu'un. Quand tu passes comme ça,
climatiser ta voiture là, ça refroidit à 100 mètres autour de toi. Amen. Voiture ça n'est pas encore fabriqué. Hein? Mais on dirait que c'est toi qui vas rouler dedans. Amen. On sait que la crème de la voiture, c'est dans la voiture. Maintenant pour toi là, quand tu passes comme ça, là, ceux qui sont à 15 mètres là, ils descendent fraîcheur. Ça les touche là-bas. Vu que quand tu passes au quartier, quoi, puis tu roules en premier ou en deuxième, quoi, les gens courent dans les voitures pour être dans la fraîcheur. On va poursuivre le vent glacé qui sort de ta voiture. Tes voisins, les cités là, tes voisins là, tes voisins, tes voisins, la crème là qui sort chez toi, ça arrive dans les coups. On a un parfum. Vent glacé, frais, ça va les rentrer. On dirait que tu es à Paris. Pendant qu'il neige. J'ai dit, les païens, ils font des choses. Nous, on est là pour les juges, on est content. Il faut arrêter ça. Amen. Dieu te montre les secrets comme toi. Amen. Tu m'as fait pour devenir comme eux. Posséder ce qu'ils possèdent. Amen. Regarde, si tu es riche, tu peux aller parler à un riche de Jésus. Il ne va pas te dire que tu as faim. Mais quand tu es pauvre, tu dois sonner à la porte d'un riche. C'est qui? On dit non, c'est quelqu'un qui avait dit qu'il veut parler de Jésus. Oh, il n'a qu'à chercher le travail, il n'a rien à faire. Il n'a qu'à chercher le travail à faire là. Oh, les gens, ils emmettent les gens. Là, c'est le week-end, je vais me reposer puis partir à la place avec ma famille. Il veut me dire que je veux parler de Jésus. Vraiment. Oh, il n'a qu'à dégager là, il a fait. Oh, mais donnez-lui un 5 francs, donnez-lui, il n'a qu'à aller manger Garba là-bas. Il a fait, c'est la nourriture Garba, il n'a qu'à aller manger ça. Hey! Maintenant, imagine-toi. On y va si le jeune évangéliste arrive. Jean-Louis. Moi, mon fils Jean-Louis. Jean-Louis arrive avec une Range Rover. Yes. Portail là, yes, on regarde dans la caméra, on dit mais c'est quel boss qui est venu garder avant. On a dit ça à un de mes amis. Quand il fait ça comme ça, il nous dit, il n'y a pas de boss, on dit le portail, il va rentrer. Et puis quand on dit, mais c'est, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes venu me voir pour les affaires. Il dit, moi je suis un homme d'affaires, mais je suis un homme d'affaires de Jésus. Amen. Un homme d'affaires de l'évangile. Yes. Un homme d'affaires engagé pour Jésus. Yes. Il va dire, monsieur, va à la place. Il ne pourra pas dire tu as fait. Il ne pourra pas dire tu as fait les 5 000 francs volés, mais il va le recevoir. Amen. Parce qu'à la fin, il met son pied contre toi. Quand il regarde chaussures là, yes, même chaussures que lui porte, voilà, que la vie là, il descend même chaussures là. Yes. Hey! Voilà toi, voilà moi. Jesus. Yes. Amen. 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 My love is good. Oh. Vous ne pouvez pas évangéliser les gens riches parce que vous êtes pauvres. Amen. Nous parlons de vérité. Ça fait mal. Mais... Amen. Le pauvre ne peut qu'évangéliser le pauvre. Ah. Le riche va évangéliser le riche. Ah. Mon frère. Même dans ce autre, en ensemble, on ne se ressent pas. Dans ce autre, on saute un peu. Il y a ceux même qui n'ont rien. Amen. Amen. Donc ce n'est pas à zone 4 tu as parti, Macori résidentiel tu as parti, ou à Poukodi, ou à la Riviera, ou je ne sais où, à Dieu, ou à Angré. Mais tu vas arriver là-bas au nom de Dieu. Dieu va te faire partir là-bas. Amen. Dieu va te faire partir là-bas. Amen. Parce que l'évangile doit rentrer dans la maison de certaines personnes. Il était un jeune homme passé 14 à 18 ans.
j'ai dit, celui-ci qui, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Je dis, celui qui est venu après moi, il était avant moi. Amen. Je dis, celui qui vient, moi je suis plus âgé que lui. Mais avant que moi il ne soit, lui il était là. Amen. Il était la parole orale. Amen. Il était la parole écrite. Amen. La profession écrite sur lui. Amen. Mais celui qui vient là, il était avant moi. Dès que je l'ai précédé. Amen. C'est la parole faite chair. Amen. Il dit, Jean, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Et nous avons vu tous, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour Caïdoua. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Donc je depuis toujours la parole à Jésus. Ils ont reçu de sa plénitude l'onction, la prophétie, ce qui a été écrit. Il dit au verset 17, quand la loi a été donnée par Moïse, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par qui? Qui a écrit la parole écrite en premier? Moïse. Qui va accomplir tout ce qui a été écrit? Jésus. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par qui? Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dis Amen. Jésus, Dieu merveilleux. Jésus a fait connaître Dieu. Regarde, écoutez. Ils ont toujours annoncé la parole de Dieu depuis la nuit des temps. Ils ont écrit ça. Les professions écrites. L'histoire écrite sur Dieu. Mais celui qui est venu montrer Dieu aux nations, à l'humanité, c'est Jésus. Le Fils unique qui a vu Dieu, c'est lui qui a fait connaître Dieu. Il a fait connaître Dieu en chair, de par lui-même. La parole faite chair. Ce que l'Esprit réussit à capter, ce que l'Esprit réussit à saisir, s'accomplit, quel que soit le temps que cela mettra. Ce que tu vas réussir à saisir dans ta pensée, dans ton âme, ce que tu vas réussir à lire, à accepter en toi, parce qu'à force de lire ce que tu as écrit, tu finis par accepter et t'approprier ce qui a écrit. Et ce qui a écrit, tu te l'appropries. Tout compte faire, force est donnée au Seigneur Jésus-Christ pour transformer ce que tu as écrit là dans la chair, pour qu'on puisse toucher. Pour qu'on puisse toucher ça. Comme un bâtiment qu'on touche. Qui va transformer ça? C'est Jésus. Amen. Tout ce que vous demanderez en mon nom, cela vous sera accordé. Vous avez compris maintenant? Amen. Ce que tu demandes au nom de Jésus, cela va s'accomplir. Parce que c'est lui qui amène cela à l'accomplissement. Voilà pourquoi la croix, elle a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Parce que la parole a été faite chair. Si tu écris ce que tu as toujours demandé, ce que tu as toujours désiré, si tu écris, Jésus-Christ va rendre cela chair. Il va rendre cela palpable. Il va te faire posséder ce que tu as écrit. Chaque soir, tu dois lire ce que tu as écrit là. Chaque soir, tu lis. Parce que, je dis ça chaque soir, parce que quand on lit le soir, on n'a plus autre activité à faire que de se reposer. Mais tu te reposes avec ce que tu as écrit. C'est-à-dire, lis ça le matin, quand tu vas lire, tu vas pas sortir de ta porte déjà, que tu as commencé à oublier ce que tu as écrit. Mais quand tu lis ce que tu as écrit, tu dors avec, tu te reposes avec. Et cela descend jusqu'à dans le tréfonds de tes pensées, de ton âme. En toi, cela descend. Jusqu'à ce que Christ rende cela, accomplisse cela dans la chair. Au point que tu puisses posséder cela. Et que cela, ce que tu as écrit là, devienne pour toi. Et que ça ne soit plus sur écrit, ça ne soit plus comme une prophétie, comme une prière, ça ne soit plus comme un oracle, mais que cela soit un truc qui t'appartienne maintenant en chair. Tu as écrit que tu es une fille en chair, Jésus va amener cela à l'accomplissement. Tu ne vas plus écrire, mais tu seras dans la villa. Tu écris que tu veux une moto, tu vas barrer ce qui a été écrit, moto, et puis tu vas posséder la moto. En frère, on ne peut demander que ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a, on ne demande pas. On ne peut désirer ce qu'on n'a pas. On ne peut convoiter que ce qu'on n'a pas. Mais je déclare sur ta vie, Jéhovah, que Jésus-Christ, qui est la parole faite chair,